Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite astuce. Je pense que tous ceux qui sont sur Android connaissent la problématique. Vous êtes sur l'application YouTube, vous regardez une vidéo, vous recevez un message ou vous voulez chercher une application sur le Play Store, ce genre de choses, et vous ne pouvez pas continuer à écouter la vidéo en arrière-plan. Alors en ce moment, il y a YouTube qui propose une version premium de YouTube qui vous permet de faire ça. Donc vous pouvez tester ça pendant un mois ou quoi. Mais moi j'ai trouvé une autre solution. Donc, je vais juste vous montrer de quoi on parle. Donc là je suis sur l'application YouTube Android. Je regarde une vidéo et ensuite je vais aller sur le Play Store et la vidéo va s'arrêter quoi. On fait test et on appuie sur Go. Voilà, donc là je suis allé sur le Play Store et malheureusement la vidéo s'est arrêtée quoi. Donc par rapport à ça, il y a une solution. C'est d'utiliser le navigateur Firefox. Donc, je vous mettrai tous les liens en description. Et sur Firefox, on va installer un add-on, puisque d'origine, on a le même problème en fait avec Firefox. Donc, là par exemple, je joue une C'est vidéo. impressionnant quand même d'essayer de comprendre des fois Et si je vais par exemple sur le Play Store, voilà, la vidéo s'arrête. Par rapport à ça, si on utilise un petit add-on qui s'appelle Video Background Fix. Donc les liens seront en description aussi. Voilà. On l'ajoute. Donc il nous demande quelques permissions, mais c'est vraiment soft quoi. Il n'y a rien de bien méchant. C'est juste pour les fonctions quoi. Voilà. Une fois que ça s'est installé, on ferme. On sort de YouTube, enfin de Firefox. Et on ouvre à nouveau la page. Et donc maintenant, théoriquement, je vais ouvrir ma vidéo. que dans le sens aujourd'hui tous Et ces si je vais jeunes sur qui sur moi le cet Play été j'ai Store, monté je le dis il y a pas longtemps dans un bah, live la vidéo j'ai appris à continue quoi. monter un mur en paille un jeune de 22 ans qui En torchis. voilà ouais en torchis ouais en Oui, paille en argile et paille. terre et paille. Donc, je trouve que c'est une solution assez intéressante, voilà, qui vous permet d'utiliser YouTube pendant que vous êtes sur d'autres applications. Et l'avantage en plus, c'est qu'il passe en mode audio. Donc toutes les données vidéo ne sont pas téléchargées, ce qui permet aussi d'économiser de la bande passante. Voilà, si vous êtes sur une connexion GSM ou quoi, ça peut être intéressant aussi. Et puis, vous pouvez aussi installer un autre add-on, outil. On va le chercher comme ça. S'appelle uBlock, c'est qui vous permettra aussi d'enlever la publicité aussi sur les vidéos YouTube. Comme ça, là, c'est vraiment le top. Si vous installez ça, vous avez juste besoin de l'installer quoi, et le reste se fait automatiquement. Bah là, vous avez aussi les publicités qui disparaissent, tout ça. Donc, ça va encore une fois accélérer votre expérience sur YouTube. Et finalement, ce sera même mieux que l'application originale, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ou sinon, on a un Discord aussi. Enfin, j'ai ouvert un petit Discord. Vous pouvez me poser des questions ou quoi. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.